Madame, monsieur, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Parlons Vrai, l'émission que vous aimez tant. Une fois de plus, nous recevons pour vous l'honorable John Colella. Vous le connaissez, il est honorable honoraire. Avec lui, nous allons discuter sur la mort de Monsengo, notamment sur l'affaire de Matata Ponyo. Honorable, bonjour. Bonjour Rita. Comment vous allez? Oui, ça va au rythme de toute l'actualité du pays. Alors, honorable, on vient de perdre un grand monsieur de notre pays à la personne de Monsengo. Comment est-ce que vous avez accueilli la nouvelle de la disparition? Oui, merci beaucoup. Je pense que le jour où j'ai appris, c'était à travers la presse nationale, la disparition du cardinal Mosengo. J'étais trop touché. Trop touché, pourquoi? D'abord parce que je connais Mosengo depuis les années 92, au moment de la conférence nationale souveraine. Si aujourd'hui je suis devenu politicien, je dois une grande part de ma vie actuelle à Mosengo, parce que durant cette période, c'était au moment de l'apogée de la dictature de Mobutu. Je me souviens, c'est ma première fois que je voyais à la télévision pour suivre les informations, c'était au moment de son élection, avec son concurrent qui était un certain Kanza, que je ne connais pas physiquement. Sincèrement, j'étais très touché au regard de ce que Mosengo a apporté à travers la République sur le plan politique et sur le plan de l'évangélisation. Je me suis dit que nous avons perdu un grand homme, un citoyen dont la République avait réellement besoin et un serviteur de Dieu, dont Christ, j'espère qu'il est fier de lui par rapport à la qualité du travail qu'il a rendu à la nation et aux enfants de Dieu. Alors, honorable John Colella, pensez-vous qu'il a également joué un grand rôle à l'acquisition de la démocratie dans notre pays? Certainement, parce que si vous vous rappelez, peut-être que les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas de cette génération-là, ou parfois beaucoup étaient encore trop petits pour comprendre la situation politique. Nous étions devant une dictature la plus sanglante de notre humanité, et Mosengo était l'élément catalyseur qui pouvait fédérer les différentes forces de sorte que nous puissions nous mettre autour d'une table. Et son élection à la conférence nationale souveraine était un ouf de soulagement pour la plus grande partie de notre population. Et je pense bien, je peux le confirmer sans crainte d'être contredit, que Mosengo, c'est un maillon majeur à l'avènement de notre démocratie. C'est vrai que peut-être nos politiciens, nous luttions dans la rue. C'est vrai que peut-être le rebelle était dans la brousse en train d'utiliser les armes, mais Mosengo a utilisé la voie pacifique, la voie de l'évangile, pour faire comprendre aux uns et aux autres la raison, de sorte que la République soit ce qu'elle est aujourd'hui. Si vous comparez la République par rapport aux années d'où nous venons, vous comprendrez que c'est vrai que nous ne sommes pas encore au bout de l'objectif, mais nous avons franchi d'un grand pas. Et qu'est-ce que vous gardez de lui comme souvenir sur le plan politique? Bon, sur le plan politique, je vous ai dit que c'était quelqu'un qui fédérait les forces, la recherche de la paix. Chaque fois que l'opposition a eu le pouvoir en place dans son temps, le MPR était à couteau tiré. Mosengo était cette voix-là du milieu pour faire entendre la raison et faire comprendre les uns les autres que la paix, c'est une grande force derrière laquelle nous tous, nous devrons nous aligner pour que la République aille de l'avant. Pour que la République aille de l'avant. Alors, parce que déjà, vous connaissez, on va entrer un tout petit peu à Lingala, parce que nos internautes, nos téléspectateurs, Lingala toujours ko yeba, makambo matalimbo kanabiso et surtout en Lingala. Batubazo me ka ko spekile mo moke par rapport ya liwa ya cardinal Monsengo. Yango tolinga ki o me kana no kolimbo et la biso mo moke. Est-ce qu'il était malade, abela ki pendant combien de temps? Ah voilà, ouais, on qui croyait parce que moto na moto za kana vie privée naï. Tango nga na yo to zobi ta masolo awa, peut-être na zobi la yo yebite. Biso to yebi ka ke Mosengo tango maladie s'aggraver, tango ba transféré na France pour qu'elle besoin qu'on a ba soin de to moni ke Mosengo zobi la. Moto ya niveau ya Mosengo ta so ki zobi la, ce n'est pas à la portée de tout le monde qui va tenir ce baroque ko yeba ka o yeli le lo to lobi to lobi lo leki. Biso nyonso tango tozo tambola awa toza na ba maladie na kati na biso. Koyeba peut-être ce que le lobby na koyi na kofi problème exact, c'est-à-dire que la maladie est déjà à l'intérieur. Koto yeba ce n'est pas que maladie zaka maladie oyo ezo se manifester moto azana l'agonie des maladies.
mais ma maladie est arrivée na kati ya nzoto ya mutu. Alors nga na ki kolobate ka zali ko bela to zali ko bela te parce que na zali ki na été biso nyoso to zolanda ba information à travers bino bato ya presse tango bopesi ba information bien à travers ba réseaux sociaux de te yoki mosengo zo bela de aki na France. Mais ceux qui battent sur base spéculer, bah vous voyez qu'il y a un Congo, nous la spéculation, mais Zambie nous montre à Yébi, Nini. Mais un message cassé, na bandi mignon sur l'Église catholique, na ba Congolais nous sur Mboka parce que toi aussi quand même qu'on perdre moto monnaie ne n'emboka na biso. Message Nini au Rocky qu'on peut savoir. Message c'est que d'abord un biso nous c'est la naissance qui est probable, la mort est certaine. C'est-à-dire, Moutonio, ce temps, Wabota, Mezala, Moutou, Ezala, Nyama, Ezala, Eloko, Eza déjà vieille pour mourir. Donc, c'est la naissance qui est probable. Pour Yébaki, Okobotama, de Toyébité. Mais Koyébaki, Tokoufa, Toyébi déjà. Moussengo a fait ça son temps, 81 ou 83 ans, selon ce que j'entends. C'est quelqu'un qui a fait sa part de responsabilité à travers le pays, à travers l'Église. Alors. On a qui l'église catholique, l'église même païen, puis congolais que moi je ne pleure pas quand quelqu'un meurt parce que les larmes ne consolent pas du tout. Alors, autre qui ça la poète rendre hommage à Mosengo, ça ça là où ils qui maloba maï, ma prédication naï, ma évangile naï, tant ils qui mobimba. Oya pesi bino ko biso comme héritage to sale la yango de façon ya bien ya ko rendre hommage à Mosengo et pourquoi pas aux autres qui nous ont précédés parce que nous tous un jour nous allons partir. OK, amoureux de l'émission Parlons Vrai, nous sommes là chez l'honorable Kolela, nous sommes en train de discuter avec lui l'actualité de notre pays, notamment liwa ya monseigneur cardinal Mosengo kasipe na makambo matali dossier ya matata ponyo. Bokoye bango na suka ya émission na biso. Mais je vais vous rappeler qu'il y a notre numéro tout juste en bas de vos écrans. Si vous avez des questions, si vous avez des propositions, n'hésitez pas à nous envoyer un message ou à nous appeler pour qu'on puisse évoluer et qu'on soit toujours au top de vous informer. Honorable Matata Ponyo Aza, la résidence surveillée, la affaire y a indamination des victimes de la zaïrianisation. N'est-ce pas là que, et comme parce que bazo lo bakeno, c'est comme si, bah, accusé, comment on dit, bah, mais qui quand même ko bomaye, parce que, bah, ça là qui, na kabila. Alande la ki dossier à Bokangalonzo, il a échappé belle, mais si koyo, na dossier oyo, c'est comme si, bah, mais qui quand même ko coincé, moi mouke. C'est quoi votre impression par rapport à ça? Sincèrement, les Congolais commencent à m'étonner par rapport à notre façon et à réagir, notre façon de concevoir et de comprendre la démocratie. Donc, Namboka Oyo, ba Oyo c'est au bandeau ko benga, ba voleur en cravate, ba voleur en col blanche n'existe pas. C'est-à-dire que pour que la justice ait s'occupé de Namoutou, il y a un problème, il y a un règlement de compte. D'abord, la première question, on a qu'à répondre à Zali, Bato Bazo décrié sur la toile que Bazo Landela Kaka, Bato Oye Bazaï na Kabila, beaucoup le biwana. Mais c'est avec raison. Bangonde Bazaï Kokonzamboka. Okolandela ba opposant denge nini bango bazalaki na kati ya masolo wana te. D'abord faut tous à la claire na sika wana. Bazo landela par rapport ya gestion à république. Gestion à république ezaki na maboko na bango. Ezaki ba Joseph Kabila, Matata Ponyo, Bazaria Sirubewa, ba Shadari ba Obemi na ku bango nde bazalaki na sika ya mbongo ya l'état. Okolanda Tshisekedi te, okolanda Fayulu te, okolanda bayo bazalaki na opposition te parce que bazalaki ko gérer mboka te. D'abord, ça, c'est une raison. Oyo, bah, il faut battre un amontou na bango qui, c'est avec raison qui va l'andela kara bango. Ça, c'est de deux, Makambo ya Bokangalonzo, s'il était, il n'a pas échappé belle, il a seulement prolongé un peu de temps. Parce que dossier est koukoufate, dossier est koza la kaka. Ti, à ta dernière seconde avant, à koufwa, ceux qui kaki sénateur et s'il est, bako l'andela yi.
Donc, rien ne se perd. Il a prolongé seulement le temps. Et pour bien aller, il fallait en démaloko la haute poto, plutôt au mobembo, à zongi a lobi qui naïe pour na éclairer justice. Justice, ce qui a eu le bosso na yo, aïe pour na kokanga yo te. Aïe aussi pour na kolave personnalité na yo, ce qui oye bazo le bela yo, eza ya lokota. Alors, ce qui matata a kanisike, aïe qui pour a répondre à éclairer justice, de lui-même, avant que même ba sénateur, ba boya kolongo la ba unité militaire na yo wana, lui-même pouvait déjà se livrer pour dire que non, je suis prêt, enlevez-moi les immunités, je vais répondre. Ba dossier Isa ebele na kati ya mboka. Isa ba dossier ba 1000 écoles. Yo mona ka 1000 écoles, Isa la kati. Bukanga lonzo Isa la kati. Ba faire wana justice alingi azala na lumière pour être population Isa mokonzi na biso nyonso, aye ba ndenge nini mbongo na ye ba saleli yango et pa ba oy bazaki na responsabilité. C'est ça redevabilité. Un gouvernant responsable ne peut pas avoir peur de la justice de son pays s'il est sûr qu'il est clean. Oezo sala ke bazo yeba ebele wana za parce que ba yebi oyo basali. D'abord un. Ezala dossier Bukangalonzo d'abord. Moto moko te akenda ko funda matata ponyo. Ye moko matata ponyo. Peut-être que vous pouvez aller vérifier auprès de l'IGF. Matata ponyo de akomeli IGF. Alobi na zo yoka na ba réseaux sociaux na ba presse bato bazo réduire réputation na ngai par rapport à dossier Bukangalonzo. Bosa la enquête pour boyeba na nya salaki mabe. Matata nda komeki mukanda wana te. Yo mona ki ngona na ba réseaux sociaux peut-être. Yende a interpellé IGF pour à sa enquête. IGF a kiko na sa enquête à découvrir au makamoto yebi biso nyonso lelo qui est environ 200 millions de dollars et bungaki. Eza gouvernement te, eza moto moso sote, eza ye moko, peut-être dans les soucis que non, ba lave image na ye ndenga loba kiwan. Peut-être aussi dans les soucis que a dribble bato, po ba monake, ya eza clean. Mais, jusqu'aujourd'hui, réalité eza otoye bibisonyonso. Na dossier azarianisation, eza motafouni matata te, justice aza wana po na kolande la ba infraction nyonso. Lobi seke ba interpele Shadari, boka mwate, parce que Shadari a gérate. Parce que Shadar a géré ma manifestation à ma combattante. Ce qui lobby, lobby, qui était, il y a un yakao. Il y a un acharnement. Il y a un acharnement, il y a une redevabilité. Il y a un union qui m'a pendant toute cette période. Il y a un mobutu, il y a Kabila père, il y a Kabila fils. Il y a un bango. Il y a un Tshisekedi. Parce que, il y a un bossana, il y a un côté prison à mandat Tshisekedi, il y a Vital Kamerhe. Vital Kamerhe côté na prison na compte ya FCCT a côté na prison na compte ya cash eza makambo oyo asali tango aza directeur de cabinet ya chef de l'état ya programme ya 100 jours eza moto mosusu te eza ngambo na biso nde moto akoti ya liboso mais tango bazolo bake eza acharnement na ba oyo ya FCC a part matata ponyo oyo ba uti ko interpeller nando bakangi ete nani mosusu bakangi parce que Willy Bakonga Ezala qui est en flagrance. Ezala qui n'a qu'à t'avion, Ezala qui est en Mobembo, en tant que ministre du pays. Donc, tout ça, si quelqu'un paye aujourd'hui avec deux évidences, prouver qu'il y a acharnement sur les gens du FCC, c'est-à-dire, c'est comme vous, les journalistes, vous annoncez les titres, mais les contenus n'a qu'à t'y et l'autre est parce que Moutakotia continue n'a qu'à t'y ou en azate. La réalité, d'elle-même, va s'opposer à lui. Mais ba dossier eza ebele parce que ce qui totali ba dossier eza ebele ebele na mboka na biso. So ce totali dossier oya matata ponyo c'est depuis 2012. Mais comment est-ce que ba zapé na no ba dossier mosusu wana ba récupérer kaka oyo ya siko honorable. Ya liboso na na ebisi bino ya Bukangalonzo eza matata ponyo moko ake komi funda. Alobi ki ebosa l'enquête. Wana toyebi déjà. OK, d'accord. 2012, justice Azo sala musala abakosili sa makambo nyonso na ngonga moko te eza na makambo oyo justice eza lokola biso makambo oyo tozo kanisa biso te nous on peut être là tu trouves que quelqu'un mort sans tête là loin au moni moto mosusu na machette biso bato na mayele na biso tolobake yenda bomiye mais justice eza na bongo te justice akoya il faut ayeba est-ce que ye ya solo makila eza na kati ya chemise na ye eza ya moto wana ya solo motif eza nini mobile eza nini po bakanga moto wana
Mais ce qui justice à Kangi Moutouana, c'est Bissonga na yotouate, justice à ça injuste. Donc, justice pour Akanga Batouana, ba dossier est abélé, mais ba infraction peut-être est abélé. Ba dossier est autre chose, l'obaka que, par exemple, ba détourner mbongo ya COVID. Ok, tolobi yango. Mais justice pour Akanga Moutouana, il faut ba preuve et zala pour Awasala Moussala naï. Parce que la justice, les procureurs ou les ministères publics, a requis qu'on n'a jugé pour se faire ridiculiser. Il fallait dossier à la ficeler correctement et puis montrer qu'il y a un bureau qui est normal à défendre Yango. Alors, ce qui veut dire que le dossier est ébélé, le dossier est en train de suivre la en train de suivre procédure. Et le dossier où IGF a sali enquête. Le dossier où IGF a sali enquête, il y a un dossier Moussousou. Il n'y a pas de justice. Il y a un dossier Moussousou et c'est la justice T. Parce qu'il ne faut pas te confondre ma solo. Ba dossier non ce qu'on est dans la justice té. Eza na ba faute oyo, il faut une sanction administrative. Wana IGF akotinda yango na mokonzi oyo asengeli kopesa sanction wana. Eza na ba dossier oyo eza na kati na yango infraction ezali esengeli justice. Oyango wana eza na isika ya justice. Donc to confondre que lokola ba dossier ezali otoyebi, et d'abord un et demander enquête. IGF a sa enquête sur na ba 10 institutions. Bah, oh, c'est ba la justice, bah, kokendi. Mais boza la précédé. Et loko na eloko na ngonga nango. Mais honorable, émission Nabiso s'intitule Parlons vrai. Awa tolobara toujours vérité. Na makambo matali mboka Nabiso. Po, ba Congolais, onyon so bazali partout ailleurs, ba yeba quand même, eloko nini ezo le kanana mboka Nabiso. Bon, IGF na justice, vous ne pensez pas que non, bazo zwa moi dictat mon koboye quelque part, y a pouvoir en place pour na kolinga ko nuire ne na otay kolobane bandeli na régime ya Kabila. Té. Bato basala ki na Kabila. Yango na zoloba. Instruction quelque part, c'est normal. Dans chaque pays, il y a toujours les autorités. L'IGF a toujours a aussi une autorité. Mais dans le cas de l'IGF, ce qui est le cas de l'IGF, bazar le lot sous tutelle du chef de l'État. Mais dans le pays, l'IGF a été sous tutelle du ministère des Finances ou bien sous tutelle du Premier ministre, ça dépend d'un pays à un autre. Dans le cas où le degré de corruption est en makasi, mingi mingi chef de l'État de l'Azouaka, institution. L'IGF a un programme annuel. Na programme na annuel wa na IGF nde akinda ki ko proposer na chef de l'état ki tala o tolingi to sala. Ti le lo IGF a sali enquête te enquête moko te sur gestion ya Kabila. Enquête wana zate. Batu mingi balingi ko lo ke no oyo ya Bukangalonzo eza su Kabila. Na lobi ke ya Bukangalonzo eza IGF te. Eza matata nde ki ko benga IGF. Mais ceux qui ont tali dossier nous sont IGF à Zosal, dossier mon côté à gestion Kabila Zali. Mon côté. Peut-être que vous avez l'angle des lois. Exacté. Donc, c'est quoi les principes? Le chef de l'État, quand il a prêté serment, il était à l'étranger quand on lui a posé la question pour finir dans le passé. Il a dit qu'il ne finira pas. IGF est un instrument et un président de la République. IGF aussi ne finira pas dans le passé. L'IGF se concentre sur la gestion du président. Qui c'est qui dit aujourd'hui? Dossier mon côté, il y a 1000 écoles, enquête exacte. Gestion non sur Kabila, il y a sous enquête, il y a IGF exacte. Donc, il y a réalité. Peut-être que le cola, matata pogno, c'est. Non. On n'a poursuivi personne jusqu'à là. Shadar est là, Minako est là, tout le monde est là. À la seule exception de matata pogno sur le dossier Bukangalonzo que lui-même a réclamé. Dossier mon côté. Et maintenant, comment quelqu'un peut me prouver noir sur blanc sans se casser la dent que non, on est en train de pourchasser les autres qui étaient sous Kabila? Bah, gestionnaire, eux, bah, ils ont contrôlé les lots. Ils ont gestionnaire, eux, bah, tiens, c'est quoi? C'est quoi? Donc, ils ont un dossier mon côté. Ils ont une barrière pensée. Le collabus, bah, congolais, tout le monde a un côté négatif et loco. Mais en réalité, c'est un grand titre sans contenu. Bah, poursuivre mon côté, il y a gestion à Kabila. Ti les lots. Ça fait 2 ans et demi. Mon tout le monde a honorable, tu as déjà reconnu vers la fin de notre mission, tu as quitté la scène, mais na lingai quand même au yebisabiso à conclusion, parce que bah tu vas au talabiso de partout, on dit na otai kolobawa,
Alors, il faut quand même toyer bisabango parce que ozala ki député national, il faut que bisabango na ba terme moko oyo esengeli po ba yeba situation o ezo le kaiza injustice bazo meka konu moto te mais na ba terme approprié. Alors en conclusion, qu'est-ce qu'on doit retenir na dossier oyo yande konabiso matata pone et ko kende wapi pe e ko suka ndenge ni. En conclusion, ce que nous devons retenir ezaki bisonyon sotoza ba congolais. Bisonyon sotoza égaux devant la loi. Ça c'est la constitution. Ce qui mokonzi mboka yebi mbongo toko benga ye moyibi. Ce qui matata ponyo yebi mbongo toko benga ye moyibi. Ce qui kuluna yebi mbongo toko benga ye moyibi nde égalité wana. C'est-à-dire ce qui mota posé acte azana na titre moko na kombo moko toko benga ye bisonyonso. Donc, toti ka justice a sala musala na ndenge e sengeli. So ki lelo biso Congo toza na souffrance toza na ngo, c'est parce qu'il y a une catégorie, un groupe de gens qui se sont tout appropriés. Maman, so ki otali rapport ou yeje fakurazo sala, ou yekoya peliboso, eza concurrence ya ba million ou ba tobazo iba. Pas en termes de mille, pas en termes de centaines, mais en termes de millions et de millions pour un individu. Tous avons un bolingo. Ce qui est au niveau de la biso, on ne peut pas se mettre derrière les gens au nom des tribus, au nom d'appartenance politique. Parce que si nous faisons cela, c'est-à-dire nous luttons contre la République, en même temps que tu restes fidèle au comportement des matata ou d'un individu, tu restes aussi infidèle devant la République. Alors il faut te choisir entre bas individu na République. Tout ce qui est justice à Salah Moussala. Banda, IGF a bandi Moussala, au moins une dengue, caisse de l'État est bandi qu'on renfloué. Au moins, par exemple, ndenge mama bazaiba azongi simbongo na batuana ya soki société ninoane. Donc, la crainte de l'IGF, c'est le début de la bonne gouvernance. Soki moto na moto azo banga l'État, azo banga IGF, azo banga justice, yango wana nde kosala ke to banda gouverner mboka na biso na ndenge elongo bani po moto na moto a se retrouver. Mosala o IGF azo sala lelo, peut-être azo tonga ba classe T. Peut-être azo tonga nzela te mena mosala wana nde ko tonga ba classe nde ko tonga ba nzela nde ko sala ke salaire ya bato e matalikolo nde ko sala ke ba prix ya ba avion e kita eza parce que IGF asali mosala wana moto na moto a se respecter mbongo nyonso eza kanalize sikoyo na caisse moko ya l'état bomoni IGF constructeur te mayende azo construire biloko wana donc il faut toto sa mosala ya bato na bato toto sa caisse ya l'état toto sa mibeko ya l'état soki papa na nga ayibi loko na ko défendre ete parce que za papa na ngai. Il faut que moto na moto afuta nyongo ya société. Ceux qui Kabila, ceux qui Matata, ceux qui Minako, ceux qui Ngai, il faut tout foutre nyongo ya société pour moto na moto se retrouver parce que toye kotika bato mosusu na mboka wate. Donc voilà un peu en conclusion tous à la bon citoyen. Donc le degré là de la bonne citoyenneté est très nécessaire pour les uns et pour les et autres. Surtout justice, il faut ça la mosala na ndenge sengeli parce que mon konziamboka quand il a tenu son point de presse na est, oyoka kindenge lobe que non justice ezo azo sepelate na ndenge justice ezo sala mosala na est. Yango wana justice aza pe na ba problème ebele. Depuis ces mois ici on a décidé même qu'on puisse augmenter les avoirs plutôt les revenus de magistrats. C'est dans le sens que mon konziamboka lingi to bandelana et bandeli. Sans justice, rien ne peut marcher. Ata soki to sali ndenge nini. Soki justice ezo marché te, nyon se kozala zéro. Donc, to interpeller pe ba magistrat, bazala na parti prité. Parce que na yoki pe na ba réseaux sociaux, bazala ki se ki ba oué ba yi de pes, aso interpeller bango te. Soki ba yi de pes, bazala pa oué ba yi bi. Interpeller bango, biso to soutenir moudou mou yi bi te. To sangani na yi de pes te, po to soutenir ou yazo yi ba. Tout ça n'a pas de pèse, pour tout ça, la makasi mboke kende liboso, tout ça l'isapé mokonzi nabiso, tout ça l'isapé pre nabiso. Ce qui n'a pas de nabiso, mouyibe azali, azali bokanga yepe. Merci beaucoup, honorable Kolela. Amoureux de l'invité de l'émission Parlons Vrai, c'était là votre émission Parlons Vrai. On vient juste de discuter sur l'actualité de notre pays. On était sur ces plateaux avec l'honorable John Kolela. Et je vous dis merci de nous avoir suivis. Et je vous retrouve tout juste après, incessamment, avec un nouveau numéro. Honorable Kolela, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie et je remercie tous les téléspectateurs de partout où ils nous ouvrent. Merci beaucoup.